Alors que le pic de canicule se poursuit en France, il en va de même pour l'épisode de pollution à l'ozone. Plusieurs métropoles, Paris en tête, sont concernées et ont donc choisi de poursuivre la circulation différenciée ce mardi. Seuls les véhicules avec la vignette critère niveau 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler dans la capitale, ainsi que les véhicules verts. Les résidents sont les principaux concernés, mais quelques exceptions sont tolérées, vacances oblige. Quand ils viennent d'autres régions ou quand ils sont chargés, quand on voit que ce sont des départs en vacances, du covoiturage, eh bien dans ce cas-là, on peut les autoriser à circuler sans les verbaliser. Au-delà de la région parisienne, ces mesures de circulation limitées ont également été prolongées dans la région lyonnaise, le département de l'Isère, mais aussi les villes d'Annecy ou encore Strasbourg. Le Bas-Rhin a d'ailleurs déclenché l'alerte canicule de niveau 3. Cette pollution à l'ozone causée par la chaleur et par le trafic routier provoque des irritations des voies respiratoires, en particulier chez les personnes sensibles. L'Hexagone n'est pas le seul à tousser en Europe. L'Espagne et le nord de l'Italie sont également touchés. En France, l'Association pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air a indiqué que les mesures anti-pollution devraient durer plusieurs jours, si elles veulent être efficaces.